Il y a des images marquantes associées au féminisme. Je suis sûre que vous vous souvenez de cette histoire de soutif brûlé, que vous avez déjà entendu parler de la cérémonie organisée par le MLF en hommage à la femme du soldat inconnu, que vous connaissez les fémènes qui manifestent seins nus, ou encore plus récemment que vous voyez très bien les collages qui recouvrent tous les murs de toutes les villes de France. Eh bien ça, c'est un mode d'action politique commun. Ça s'appelle l'activisme. Et l'activisme féministe, eh bien, ça date pas d'hier. L'une des pionnières en la matière, c'est notre punchlineuse du jour, Hubertine Auclert. Je pense que j'ai pas besoin de revenir trop sur l'histoire du droit de vote des femmes en France, alors je fais vite. Les femmes de métropole l'ont acquis en 1944 et les musulmanes d'Algérie en 1958, alors que la plupart des grands pays d'Europe l'avaient fait passer dès la fin de la Première Guerre mondiale. Notre propre Chambre des députés avait voté pour dès 1919, mais c'est le Sénat qui avait rejeté et rejeté et rejeté le texte, pas moins de 6 fois pendant l'entre-deux-guerres. Donc ce droit de vote, ça a été une sacrée lutte. Un siècle environ. Un siècle pendant lequel les militantes féministes n'ont reculé devant rien pour se faire entendre. Et parmi ces militantes, il y avait Hubertine Auclert. Hubertine Auclert, elle était journaliste et écrivaine. À notre connaissance, c'est la première à s'être revendiquée du mot féministe, parce que jusque-là, il était plutôt utilisé péjorativement. Mais ce dont je voudrais surtout vous parler aujourd'hui, c'est que c'était une véritable activiste. L'activisme en politique, c'est le choix de l'action directe. Ça peut être violent ou non violent, légal ou illégal. Le but, c'est avant tout de marquer les esprits, d'être explicite et de toucher beaucoup de monde. Donc c'est considéré comme un moyen très efficace de militer et puis c'est aussi souvent le seul moyen de se faire entendre quand il n'y a pas de moyen légal possible. Or, qui c'est qui n'a pas de moyen légal de se faire entendre en France à la fin du 19e siècle? Les femmes, absolument. C'est pour ça que Hubertine Auclert, contrairement à beaucoup d'autres militantes, elle considère que c'est fondamental que les femmes acquièrent non seulement le droit de vote, mais aussi le droit d'être éligible. Pour elle, il faut que les femmes soient représentées en politique pour qu'elles puissent participer à l'élaboration de lois plus égalitaires. Parce qu'on va pas se mentir, elle a pas super confiance dans les bonhommes pour changer ça d'eux-mêmes. Donc elle va multiplier les actions. Et parmi ces actions, une qui est très célèbre, c'est qu'elle va refuser d'être recensée. Et c'est à ce moment-là qu'elle déclare « Si nous ne comptons pas, vous ne nous compterez pas ». Oui, elle avait le sens de la formule. Mais c'est pas tout, elle a aussi refusé de payer ses impôts. Et pour ça, elle s'est basée sur une sorte d'imprécision des textes qui parlait toujours de français au masculin. Pourquoi les Français, ils avaient le droit de voter alors que les Françaises, non? Mais quand il s'agissait de payer les impôts, d'un seul coup, le mot français, ça incluait aussi les Françaises. Faut choisir un moment, les gars. Donc elle a refusé de payer aussi longtemps que possible, c'est-à-dire jusqu'à ce que les huissiers mettent sa maison sous scellé. Et puis elle a organisé l'enterrement symbolique du droit des femmes, elle a essayé de faire brûler un code civil pendant un mariage, elle a brisé une urne pendant des élections municipales à Paris alors qu'elle avait 60 ans. Elle a même créé des produits dérivés du féminisme. Elle a fait imprimer des éventails avec écrit dessus « Je désire voter ». Aujourd'hui, Hubertine Auclert, ce serait le genre de meuf qui se balade avec un tote bag du planning familial et une casquette avec écrit witch dessus. Et évidemment, elle a fait partie de la très longue liste de femmes qui se sont présentées aux élections avant d'en avoir le droit. Parce que figurez-vous que ça paraissait tellement évident au bonhomme que les femmes étaient inéligibles qu'ils avaient carrément oublié de l'inscrire dans la loi. Donc bah, elles s'inscrivaient puisque rien les en empêchait. Et à force de s'inscrire, bah, ça a fini par marcher. Les premières femmes élues en France, elles l'ont été pour le Parti communiste en 1925, soit presque 20 ans avant la loi de 1944. La détermination des activistes féministes a payé, et pour ça, on peut leur rendre hommage. Parce que souvent, ce sont elles qui prennent les attaques, les moqueries, voire les coups, mais encore plus souvent, ce sont elles qui font avancer l'histoire. Voilà, c'était Punchlineuse, un format court qui est maintenant récurrent sur la chaîne. Si ça vous plaît, bah, vous savez comment me soutenir, hein, les trucs habituels, liker, commenter, partager, vous abonner, etc. J'ai aussi un Patreon. Mais c'était pas de ça dont je voulais vous parler. Ce dont je voulais vous parler, c'était ce magnifique décor. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a plein d'objets un petit peu random. Eh bien, sachez qu'ils ont été choisis avec soin. Chacun de ces objets représente l'une des Punchlineuses de la série. Et donc, je voulais vous faire jouer. Est-ce que vous saurez deviner quelle est l'identité de toutes ces femmes? Vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a absolument rien à gagner, mais ça me fait plaisir. Voilà, je vous embrasse et à très vite pour le prochain épisode.